jeudi matin. Fred fait partie de cette génération de feignants pour qui la satisfaction immédiate des désirs va de soi. Fred doit préparer son prochain séminaire de sociologie, mais il a franchement la flemme d'aller chercher ses documents et d'attendre pour les obtenir. À l'université, Fred rêverait que ce soit aussi simple que dans la vraie vie. Alors, sociologie de la faim, burger, rajouter au panier, commande. Avez-vous un code de réduction ? Non. Voulez-vous un supplément Max Tacos ou Maxi Best Of ? Tacos, ouais, pourquoi pas. Livraison à domicile. Alors, carte de crédit. Ah, ils prennent suite. Ouais, c'est vous, Freddy 96 ? Ouais. Oh, comme j'ai galéré, frère. Voilà, le GPS, ça me disait bloc 8 et H5, alors c'est bloc 9 et H4. Bon, on n'a pas réussi à remettre la main sur votre burger 65. En même temps, édition 65, vous voulez pas quelque chose de plus frais ? Alors du coup, là, je t'ai mis une édition 9.2, hein, papier glacé, hyper classe, ça va te mettre bien. Hein, remets ton micro-ondes, pas ça refroidit depuis. Hein. Ouais, bon, hein, je te laisse. J'ai des articles scientifiques à livrer à côté. Ah, attends, j'allais oublier le supplément tacos. Ah non, c'est pas ça. Ouais, c'est ça, tu vas kiffer grave. Allez, frère, reste frais. Salut. Merci. Ah, tu rêves, Fred. Et pourtant, tu n'es pas si loin de la réalité. De nos jours, avec la numérisation galopante, de plus en plus de ressources sont disponibles en ligne, dans l'immédiat et à domicile. Dans tous les cas, pour chercher, trouver et accéder à ces ressources, il existe un outil efficace et rapide, Swisscovery Unige. Il s'agit de l'outil de recherche des documents imprimés et en ligne de la bibliothèque de l'Université de Genève. Dans la pratique, pour localiser un document, ça donne ça. 1. Recherchez votre document en choisissant votre périmètre de recherche. Voulez-vous rechercher uniquement dans les documents de l'Unige, dans la région de Genève ou dans l'entièreté du réseau SLSP, Swiss Library Service Platform, soit environ 500 bibliothèques académiques de toute la Suisse. Cliquez sur la référence pour afficher les détails sur sa disponibilité. Pour les documents à la bibliothèque de l'Unige, relevez l'emplacement avec la cote. Pour les documents des autres bibliothèques du réseau, utilisez simplement les fonctions de commande et choisissez votre lieu de retrait. Pour les documents électroniques, cliquez sur le lien « Disponible en ligne ». Vous aurez accès aux documents électroniques comme les e-books ou les revues en ligne fournies par l'Université de Genève, ainsi qu'à une sélection de ressources en open access. Ce qui est en open access est, comme son nom l'indique, accessible pour tout le monde sur le web. Pour en savoir plus sur ce mouvement ou pour connaître les astuces relatives à la recherche de ces ressources, rendez-vous dans la rubrique « Aller plus loin ». Je peux vous aider ? Ouais, alors je vais vous prendre un big cheese, un grand coca, des frites et de la sauce barbecue, s'il vous plaît. Excusez-moi, je vais prendre ça, s'il vous plaît. Et votre burger, vous le prenez aussi ? Non. Après, je commande toujours trop, après je finis jamais. Non, juste le... Ouais, celui-là. Ouais, merci.